Alors, on est en train de créer une classe tous les trois, une classe fondation en l'occurrence. Bon, on ne fait pas que ça, mais on fait une classe fondation. Donc, tous les deux, vous avez déjà fait fondation. Vous êtes aussi tous les deux facilitateurs Access Bar, mais il n'y a pas besoin d'être facilitateur Access Bar pour faire la classe fondation. Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, vous pousse à vous donne envie comme ça, vous anime à refaire la classe fondation au point d'en co-créer une? Est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes mauvais élève que vous avez besoin de réviser? Et je fais exprès parce que bien sûr c'est jamais le cas. Ou c'est quoi qui est présent pour vous là dans cette idée de refaire fondation en fait? Moi, j'ai jamais redoublé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Non, c'est rigolo de le dire comme ça, mais oui, c'est. Moi, j'ai pris conscience en fait avec différentes classes que j'ai faites qui n'étaient pas forcément des fondations dernièrement, mais que en fait chaque espace qui se créait comme ça, c'était des nouvelles prises de conscience, des choses qui résonnaient avec les groupes, et qu'en fait chaque classe, même si c'était une fondation, que ça portait le même nom, en fait, c'est jamais la même en fait. Et donc voilà, même si j'ai déjà fait une fondation, je sais que ce sera pas la même, et donc c'est encore un nouvel espace. Avec des nouvelles prises de conscience, un nouveau terrain de jeu, des nouvelles, voilà, une nouvelle vision de la vie à la fin des 4 ou 5 jours, suivant sur quel format c'est. Et voilà, c'est toujours nouveau. Moi, ça va être ma deuxième, en fait. J'en ai pas suivi plusieurs, mais je te dirais un peu, c'est comme lire un livre. Des fois, on lit un livre qu'on a beaucoup apprécié, puis on le met sur les tablettes et quelques années plus tard, on le relit et on apprend de nouvelles choses. Pourtant, on l'avait déjà lu, mais on dit, ah, j'avais pas retenu ça ou j'avais pas. Donc, la prise de conscience dans nos vies, c'est souvent ça. On fait une prise de conscience sur quelque chose, mais la vie continue et on peut aller toujours plus loin par rapport à ce qu'on a déjà pris conscience, mais ça se développe encore plus. Donc, de refaire une deuxième fois la classe fondation, c'est une suite finalement dans mon chemin de vie où j'essaie toujours d'aller plus loin finalement dans la conscience de qui je suis. Et c'est l'épanouissement finalement constamment. Donc, Exactement. Et je vous dirais que en tant que facilitateur certifié aussi, on refait au moins une fois par an fondation, puisqu'on participe à la fondation mondiale au cours de laquelle on réécrit le manuel, mais c'est une vraie classe fondation. Et moi, je fais partie aussi des gens qui font fondation aussi par ailleurs. Donc, je vais faire fondation avec d'autres facilitateurs. Pourquoi? Alors, parce que j'ai besoin qu'on répète beaucoup avant que je comprenne. Non, je plaisante. Parce que c'est vrai, et puis bah, vous le savez ou vous allez le savoir, déjà, c'est pas la même version de nous-mêmes qui vient à cette classe. Donc, en fait, c'est comme si tu redécouvres complètement la classe. Et il y a plusieurs trucs, quoi. Il y a ce que tu dis, Michel, ce truc de... c'est comme quand on lit un bouquin et puis qu'on le relit et tu dis, mais c'est pas possible, il n'y était pas ce passage quand je l'ai lu. Et quand tu réécoutes les enregistrements, parce que toutes les classes sont enregistrées, quand tu réécoutes les enregistrements, des fois tu dis, non, 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 mais moi j'étais pas là à ce moment-là, je devais être aux toilettes, et puis là tu t'entends parler. Enfin, je dis ça parce que ça m'est arrivé, en fait. Donc là tu t'entends parler, tu dis, ah si, j'étais là. Mais quand des fois on est vraiment à fondation, ça vient nous bouger aussi à plein de niveaux. Et du coup, quand on est très accaparé ou en train de bouger un gros truc, ben, il y a plein de choses, c'est pas le moment de le recevoir ou c'est pas possible. Puis du coup, quand tu réécoutes ou quand tu retraverses, tu reçois les choses différemment. Donc c'est vrai que moi, tous ces outils, il y a tous les outils d'accès sont dans la fondation en fait. Après, toutes les autres classes, elles sont géniales. On va encore plus loin, on va encore plus loin, mais il y a tous les outils d'accès. Et il y a le truc de découvrir les outils, de commencer à désolidifier, etc. Puis après, il y a les utiliser, les utiliser, les utiliser. Utiliser, les utiliser, les utiliser, les utiliser, et encore, et encore, et encore, et encore, pour tant qu'on a envie de changer des trucs, ou de bouger des choses, ou d'être conscient de nouveaux aspects. Et aussi, et c'est pas négligeable, le manuel, il change.
Là, par exemple, depuis le mois de mars, on a le manuel en français de la nouvelle classe et il y a des nouveaux trucs dedans. Donc, je ne fais pas de teasing, je ne vais pas vous spoiler. Il y a des trucs quand même super intéressants parce qu'on va reparler, pour vous donner quand même des grands termes, on parle notamment de douleur, de souffrance, de comment pouvoir utiliser ça, ce qui n'était pas fait de cette manière-là avant. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont franchement intéressantes. Ouais. Depuis Et que vous... c'est vrai. Oui. Du coup, la première, en fait, on découvre beaucoup les outils, à part ceux qu'on a déjà vus en classe de base. Et là, c'est vrai qu'en ayant utilisé certains outils, et j'ai replongé dans le manuel il n'y a pas si longtemps pour faire un déblayage, et je suis retombée sur certains outils que je dis, ah tiens, mais ceux-là, tu les utilises quasiment pas, en fait. Et du coup, c'est bien de voir ça aussi, et du coup, d'appréhender la classe différemment, parce que bah, y a certains outils avec lesquels je me suis familiarisée, que je vais utiliser souvent. Et d'autres pas vraiment. Et du coup, bah, ça va peut-être justement me permettre de focusser plus pendant la classe sur certaines choses et de recevoir plus de certaines parties. Comme tu dis, de ne pas être totalement accaparé sur certaines parties de la classe parce qu'il y aura plus de clarté pour moi, mais du coup, d'être plus aware, entre guillemets, et plus présente qu'à la première parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup. Et puis, en fonction de ce que les gens vont partager aussi, comme c'est jamais les mêmes personnes, des fois, il y a un truc qui va juste faire pop dans notre univers et parce que ça aura été partagé de cette manière-là et que du coup, ça va résonner pour nous différemment. Donc, ça, je trouve ça génial aussi. Ouais. Ouais, ça c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est précisément pour ça que même s'il y a ce fameux manuel avec il y a un fil conducteur, le manuel il est épais hein, quand même. Il y a un fil conducteur, mais même avec ce fil conducteur qui a l'air fixe, mais et même quand c'est le même facilitateur, ça n'est jamais la même classe. Alors déjà le facilitateur en vérité, même si c'est à peu près le même en théorie, bah lui aussi il a changé de version plein de fois entre-temps, surtout si lui-même il fait des classes. Mais en plus effectivement, la classe est une co-création. Donc on va aborder tous les topics parce qu'on a ce fil conducteur, mais on les aborde sous tel ou tel angle ou de telle ou telle façon. On va débloquer des trucs en fonction de ce qui se présente, et ça va vraiment être ce qui crée la classe en fait. Et puis il y a ce truc aussi, moi que j'aime bien comme image, où c'est vrai qu'on fonctionne en pelure d'oignon. Donc quand on arrive la première fois à Fondation, on a nos grosses feuilles là, bien solides, et on a à ce moment-là, quand on n'a jamais fait Fondation, il y a quand même des grosses limitations, des trucs où on est coincé souvent. Et on va commencer à enlever cette feuille-là. Et avec les outils qu'on voit dans la fondation, et dans Access de manière générale, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment des trucs pour s'auto-débloquer et s'entraîner à s'auto-débloquer. Et ça, c'est vraiment un entraînement, c'est vraiment super riche. Et il y a un moment donné où ce qui nous bloque tellement qu'on ne le voit pas. Et c'est là où refaire fondation ou avoir un facilitateur qui nous aide à voir, mais tu sais, t'as vu peut-être, qui nous pose des questions et qui nous remet en tête un outil ou qui nous refait voir un outil ou un concept d'une autre façon, va nous débloquer. J'en parlais l'autre jour avec Myriam, mais moi, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai repris le bouquin sur les 10 clés qui est derrière, ah ben non, qui est en dessous de mon ordinateur là, et j'ai dit, ok, bon, alors qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? J'ai ouvert et je suis retombée sur le choix toutes les 10 secondes. Ça, quand on connaît Access, on en a déjà entendu parler. Et je vous assure, la façon dont je l'ai relu là, et du coup, je vais faire des appels sur les 10 clés, parce que m'a éclairé d'une façon que j'avais jamais vue jusqu'à présent. Et c'est dingue, quoi, parce que pourtant, je l'ai lu, relu, on le fait dans la fondation, etc. Mais là, ça a été éclairé d'une autre manière. Et du coup, ça change tout. Et enfin, c'est un peu ce que disait Myriam aussi, ou Michel, quand tu reprends le bouquin et que tu regardes avec un autre prisme, quoi, hein, c'est ça? Parce que des fois, on fait des prises de conscience, mais intellectuellement. Et ces prises de conscience-là, au niveau intellectuel, nous libèrent effectivement, mais à un moment donné, dans notre vie, la prise de conscience doit aller plus loin, plus profondément en nous.
et de revoir parfois certaines choses. On dit, ah, oh, oui, non, bon, ça, je le sais, j'ai déjà vu. C'est parce qu'on est au niveau intellectuel. Et c'est correct, c'est pas nécessairement bien ou mal, tout ça. Mais il arrive à un moment donné que dans notre vie, on se dit, comme tu dis, pouvoir vivre notre vie et pouvoir avoir le choix toutes les 10 secondes, on peut le comprendre intellectuellement, mais à un moment donné, oups, ça va prendre plus racine en nous quand arrive un moment dans notre vie où on a besoin que ça y aille plus profondément et de se retrouver finalement dans une classe où on va revoir ces thèmes-là. Qui sait si, justement, c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Parce que finalement, la prise de conscience, c'est pas quelque chose qui se fait et qui est terminé pour l'éternité. On est constamment, finalement, en éveil de conscience à soi. Ah, mais carrément, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Entre le « je comprends, je capte » et le « ça atterrit », ça atterrit vraiment, il y a tellement une différence. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on comprend en deux secondes, quoi. Tous les outils, tu les comprends assez vite, en vrai. Mais Gary, il le dit souvent, hein, il dit de toute façon, tu piges quand tu piges. C'est vrai. Hein. Et c'est pas tu piges intellectuellement, c'est tu piges quand tu piges. Ouais, c'est ça. Quand tu le vis, le truc, et que tu dis, ah, putain, c'est ça, le truc. Et là, tu dis, tu viens de vivre. Et comment? Je pensais que j'avais compris. Ah oui, voilà, c'est ça. Je pensais. Ça. Yes. Donc, bah nous, en tout cas, hein, on est déjà super contents à l'idée de refaire Fondation. Yes. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que vous avez envie de dire autre chose justement sur par rapport à votre expérience de vos premières fondations ou l'idée de la refaire est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Ben moi, la première, ça a ouvert un espace tellement grand il y a un an. Et je me dis, avec toute l'ouverture aussi de conscience, tout ce qui m'est arrivé en un an, là, je me dis si je dois... la question que je me poserais, c'est quel espace infiniment plus grand est-ce que je peux ouvrir avec celle-ci? Parce que c'était déjà tellement énorme il y a un an. Et en fait, il y a eu tellement de choses énormes en un an que je me dis, mais là, qu'est-ce que je peux recevoir, en fait, quoi? À quel point est-ce que je peux recevoir de cette nouvelle fondation? Voilà, ce serait ça, finalement, ce que je pourrais dire, là, pour... conclure, entre guillemets, moi. Et encore non, c'est même pas une conclusion, c'est une ouverture encore plus grande. Et je rajouterais, avec cette belle opportunité d'ouvrir cet espace-là sur une échelle encore plus grande, le fait qu'on soit relié en ligne avec des gens de d'autres pays, juste hâte que ça arrive, là. C'est comme... Et comme on disait un peu, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir faire les classes fondation en ligne. C'est peut-être la dernière fois, mais en fonction de la situation actuelle. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir contribuer, je dirais, sur une plus grande échelle à plus de conscience. Ouais. Ouais, génial. Et ben alors, du coup, on va vous mettre donc la prochaine fondation en ligne là, c'est fin juin, du 25 au 29 juin. On fait sur 5 jours, enfin sur 5 demi-journées, pour que ça soit en matinée au Canada, en après-midi en France. On va vous mettre toutes les infos de la vidéo. Et voilà, en haut, en dessous, à côté. Et puis, on vous crée aussi d'autres fondations en présence, avec les uns, avec les autres. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on crée aussi, on a dit qu'après les fondations en ligne, on se retrouverait quand même en vrai, en présence, une demi-journée pour réviser les processus corporels qu'on voit dans le fond. Pour se toucher. Pour les pratiquer, pour se toucher, pour faire des échanges. Donc ça, ben, on verra à distance comment on fait, mais en tout cas, on va créer ça. Donc, plein d'infos à venir. Donc, on va vous mettre le lien de l'agenda, le lien de cette classe et puis de la suite, comme ça vraiment vous allez aller là où l'énergie vous appelle, mais rejoignez-nous, on sera content de jouer de partager avec vous. Alors moi je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt.
Combien de fun on peut avoir avec ces classes. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, Magali, Myriam ou moi-même. Alors, des vidéos ou nous envoyer par Messenger. Bref, il va y avoir aussi toutes les façons dont vous pouvez communiquer avec nous. Donc, c'est un immense plaisir de vous revoir, de vous voir pour la première fois. On vous attend en grand nombre de partout dans le monde. À bientôt! À bientôt!